Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'info CMA TV en bref. Le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet présentait les résultats du projet pilote Nouveau départ chez nous ce mardi matin devant l'entreprise Paber Aluminium à Cap-Saint-Ignace. Ce projet avait comme objectif l'organisation de missions de recrutement auprès de personnes issues de l'immigration qui sont demandeurs d'asile. 4 missions de recrutement auprès des personnes issues de l'immigration qui sont demandeurs d'asile ont été réalisées dans la dernière année en collaboration avec des organismes spécialisés en immigration et en régionalisation à Montréal. Un appariement entre les besoins de main-d'œuvre des entreprises manufacturières participantes au projet pilote et les candidats rencontrés a été fait. Au total, nous avons rencontré 510 demandeurs d'asile. Alors, de vous annoncer que nous avons offert un placement à 41 personnes issues de l'immigration avec demandeurs d'asile. Alors, au total, 57 individus se sont joints à nos MRC. Le Centre d'équithérapie La Remontée de Saint-Jean-Port-Joli offre une expérience incomparable, unique et enrichissante. Le programme Les aventuriers de la nature et le nouveau parcours forestier ont pour but d'initier les participants à profiter de la nature dans le respect tout en s'amusant et en apprenant à mieux connaître, comprendre et préserver les écosystèmes. Pour atteindre cet objectif, 7 ateliers pédagogiques et ludiques et un parcours forestier composé de 7 panneaux d'apprentissage ont été réalisés. La monnaie royale canadienne a émis une nouvelle pièce de circulation de 2 $ pour commémorer la mémoire de Jean-Paul Riopel. Au revers de la pièce figure un motif inspiré du 29e tableau de sa fresque monumentale, l'hommage à Rosa Luxembourg, chef-d'œuvre réalisé à l'acrylique et à la bombe aérosol par l'artiste en 1992. Sur la pièce, il sera possible de voir les oies que l'on retrouve sur le tableau. Et au sport, c'était le dernier week-end de match pré-saison en fin de semaine dernière dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Début donc du calendrier régulier ce week-end. Ce vendredi, Saint-Damien visite Saint-Prosper à 20h, Montmagny est à Sainte-Marie à 20h45. Et Saint-Jean-Port-Joli sera à Saint-Joseph à 21h. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez-nous sur le fil Twitter X de cmatv.